L'actualité de ce dimanche est aussi marquée par la clôture d'une formation sur la gestion des conflits en milieu professionnel au profit des agents de la Fédération syndicale des agents et contractuels du ministère du Pétrole, des Mines et ceux de l'élevage. Sur le secrétaire général du ministère du Pétrole et de l'Énergie, Ahmad Gadam Hogosi, qui a clos les travaux à la maison de la femme, Falambi Soulgan. Renforcer les capacités de ces militants, des ministères du pétrole, des mines et de l'élevage afin d'impulser une nouvelle dynamique à leur département. C'est le souci qui anime la Fédération syndicale nationale des agents et contractuels du ministère du pétrole, des mines et de l'élevage du Tchad à travers cette formation sur la gestion des conflits en milieu professionnel. Les intervenants qui se sont relayés ont salué cette initiative et appellent les agents à une franche collaboration et surtout à œuvrer pour le rayonnement du ministère. Le secrétaire général de Nafen Apmet, Foulsi Madaï, invite les responsables du département à améliorer les conditions de travail afin de permettre aux agents d'apporter le meilleur au fonctionnement du ministère. Clôturant les travaux, le secrétaire général du ministère du Pétrole et de l'Énergie, Ahmad Gadam Hogosi, rassure les syndicalistes du soutien de son département à leurs activités. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie et le ministère des Mines, de la Géologie et des Carrières seront toujours à vos côtés, aux côtés de la Fédération syndicale nationale des agents et contractuels du pétrole, des mines et de l'énergie, pour que le climat social soit bon à vivre au sein des 10 ministères. Parlant du statut particulier dont le camarade Fouzi vient de parler, d'abord sortons du climat financier morose que traverse le pays avant de se pencher sur ce sujet. Les participants ont dans leurs recommandations demandé au ministère du Pétrole et de l'Énergie et celui des Mines, de la Géologie et des Carrières d'assurer la pérennité des formations, encourager la promotion interne des cadres et d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents.